Visuellement, le trophée reste modeste. Symboliquement, il compte beaucoup pour Fora Marine. Il y a quelques jours, au salon de Düsseldorf, le RM1260 a remporté le titre de bateau européen de l'année, catégorie croisière famille. Pas mal pour la petite entreprise de Périgny, une trentaine d'employés. Ça nous fait, comme on dit, entrer dans la cour des grands, par la grande porte. Ça donne de la notoriété, ça donne de l'image, ça donne de la crédibilité au chantier. La marque en profite de façon très directe. Pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Et si sur le marché français, ce type de prix n'est pas forcément très reconnu, en termes d'export, il a son importance. Le chantier s'attend à des retombées. Ça commence. On a dans 10 jours rendez-vous avec un client russe. On n'a jamais vu de russe chez nous. Et on est très content d'avoir quelqu'un qui nous a appelé, qui a dit « je veux venir voir, je suis intéressé par votre bateau ». Et là, c'est l'une des premières conséquences très concrètes de l'obtention de ce prix. Ce qui a séduit le jury, c'est apparemment la ligne du bateau et son habitacle très lumineux. Mais surtout, dans toutes les séries d'essais, le RM s'est montré plus rapide que ses concurrents. Des résultats dus à son process de fabrication en contreplaqué époxy. Il s'agit d'utiliser un matériau de base qui est le contreplaqué, un contreplaqué marine qui répond à des critères très, très particuliers. Ensuite, à l'imprégner de résine époxy qui va lui donner de la dureté et de l'imputrescibilité. Et cet ensemble, si je puis dire, ce matériau contreplaqué époxy, va faire que votre bateau va être plus rigide que les autres bateaux et plus léger. Plus léger, plus rigide, égale vitesse. Qui plus est, on va ajouter un peu plus de puissance avec une surface de toile un peu plus importante. Et à ce moment-là, vous allez avoir un bateau à la fois très confortable, qui passe très bien dans la mer et qui sera beaucoup plus rapide que la moyenne des autres bateaux. Seul inconvénient, ce mode de production est plus compliqué, plus long, donc plus coûteux. Le RM1260 est plus cher dans sa gamme, comptez 250 000 euros hors option. Ça aussi, c'est un prix.